Africa Sport 24. Africa Sport 24. Ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. Ni ko Africa Sport 24, a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24. Ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan. Min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tungara fɛ. Africa Sport 24. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase ko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés de la page Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Tunkara. Hein. Les autres sont en retard. Donc, maintenant qu'on est là, donc j'ai dit, je vais commencer. Hein, parce qu'il faut être à l'heure. Moi, j'aime être à l'heure parce que je pense que ça, c'est ces émissions aussi, c'est un moment entre nous, hein, fans des Aigles, pour échanger, pour vraiment se motiver et rester mobilisé autour de notre équipe nationale du Mali. Donc aujourd'hui, l'émission va porter autour du tirage au sort, hein, de la CAN 2025, parce que je veux dire qu'on a un rang à défendre, on a été quart de finaliste la dernière CAN. C'est important qu'on revienne à cette compétition et qu'on fasse bonne figure, hein, au Maroc. C'est un pays qui nous réussit bien, où en général, on a gagné beaucoup de nos matchs là-bas, hein, ces dernières années. Donc le Mali a été dans le premier chapeau, on pouvait connaître le pire, mais je pense que c'est un groupe qui au vu des autres groupes, c'est quand même abordable. Mais avant ça, il y a un peu d'actualité aussi du football dont on va parler. Il y a toujours cette préparation des Jeux Olympiques. Je ne sais pas qui ici a observé le match de préparation entre la France et le Paraguay. La France a déroulé, hein, ils ont gagné 4-1, mais bon, c'était pas mal aussi, hein, le Paraguay, j'ai trouvé qu'ils étaient assez solides. Comme toutes les équipes sud-américaines, hein, ils jouent avec intensité. Et puis bon, il y a quelques techniciens dedans. Donc moi, je pense que pour les Aigles, il faudra préparer ça au mieux. Hein, il faudra préparer ça au mieux et espérer qu'on puisse faire mieux qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on était sortis en quart de finale. Qu'on espère cette année aller au moins décrocher une médaille olympique. Hein. Même s'il faut admettre qu'au vu des autres sélections, on ne part pas forcément favori à des grosses équipes dans ce tournoi. Hein. Je pense que la France va avec une équipe très, très, très compétitive. Ils seront probablement, ils sont pour moi quand même les favoris, hein, pour la médaille d'or. Maintenant, à côté de ça, tu as l'Argentine qui a un gros effectif. Le Maroc aussi est parvenu à attirer quand même certains joueurs de choix, hein. Ils ont Achraf Hakimi et puis d'autres professionnels, hein, qu'ils ont pu avoir. Nous, le choix, en tout cas, on n'a pas pu avoir les joueurs qu'on espérait pour renforcer l'équipe. Donc, finalement, ben, on va avec une équipe jeune et avec des joueurs qui cherchent un peu à se relancer. Hein. C'est ça qu'on a et c'est avec ça qu'on va aller. Bon, moi, c'est dans tout ça que je lance toujours l'appel, hein, aux dirigeants, d'essayer de rapprocher les anciens parce que Ballon tout le monde n'a pas une crédibilité dans ce milieu. C'est très, très difficile de rentrer dans les sphères du football de haut niveau. Donc, les joueurs maliens qui ont eu la chance d'évoluer dans ces grands clubs, de connaître ces championnats et autres, ils ont un carnet d'adresse que les autres Maliens ne peuvent pas forcément avoir et ce qui est normal, hein, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'évoluer à un niveau professionnel. Mais le fait d'être dans ces cercles-là, ça te donne des relations et une certaine influence dans le milieu. C'est grâce à ça, par exemple, que tu peux réussir à convaincre un club de libérer ton joueur parce que peut-être que tu connais l'agent du directeur sportif, que tu as des relations avec certains cadres des clubs. Tu as la possibilité d'avoir leur contact par des biais différents, plus informels. Donc ça te donne aussi un certain poids, une certaine influence. Et je pense que ça, notre fédération, la gestion autour de nos équipes en manque et je pense que on devrait chercher à avoir à s'appuyer sur ces anciens-là. Et ça ne peut être qu'une bonne chose pour nous, hein. Donc ça c'est un peu la situation pour les JO. Il y a eu aussi ce match amical avec les U23 donc de nos Olympiques qu'on a gagné 2-0. Donc voilà, je suis seul.
pour le moment, hein, parce que les autres sont en retard. Donc moi, je tiens vraiment à être à l'heure. Et comme je l'ai dit là, parce que c'est un moment, on donne 1 heure au public, c'est bien d'arriver et de faire l'émission à ce moment-là, parce que les gens aiment l'émission. Nous aussi, on aime présenter. Donc, c'est une marque de respect aussi pour le public de démarrer à l'heure. Voilà. Donc, il y a ça. Maintenant, les côté transfert, ben, il y a cette rumeur, hein, de Sékou Keïta du côté d'Everton. C'est beaucoup de bruit, hein, mais moi, je ne vois pas quand même de site de référence qui en parle. Hein. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de débattre dessus. Hein. Voilà, il y a aussi qui vient de nous rejoindre. Ousmane, vous voyez, Ben, il est dans la voiture pour chez lui. exactement. Voilà, il n'est même On fait pas comme on encore chez peut, lui. hein. Voilà, on fait Exactement, comme mais on peut. Donc, comprenez. Voilà. Ouais, ouais, j'allais salut. partager. Si personne ne vient, je partage avec vous. Hein. Moi, vous savez que nous, on improvise. C'est un grain, après tout. Ousmane, bonsoir, ça va bien? Ça va, et toi et le public? J'espère que tout le monde va bien et que vous avez Ça va passé une bonne bien. journée. Ça va bien. Ici, on fait une bonne fête d'indépendance aux Américains, hein, le 4 juillet. Ah ouais. Donc, ici, c'était un jour férié. Donc, moi, j'ai passé la journée à dormir. Hein, ma famille au Mali, ils sont allés en vacances. Donc, je suis Ah seul chez moi. d'accord. Je me suis bien reposé. Je me suis très Ah bien c'est bien, reposé. c'est bien. C'est ça. Mais Ousmane, je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder le match France-Paraguay. Non, non, C'était j'ai tout pas à eu l'heure, là. l'occasion. J'ai pas eu Ben, l'occasion du tout. c'était en cours, là. D'accord, il y a combien? 4-1 pour la France. Ouh là là. 4-1. L'équipe de France, elle est solide. Hein. Ils ont une grosse Ah, équipe. Hein. Ils ont vraiment une ah grosse c'est clair. équipe. Hein. Et voilà, je pense que les JO, ça ne va pas être facile. Moi, j'ai vu cette équipe paraguayenne. Elle est bien aussi. Moi, je pense qu'on a un groupe qui est équilibré avec le Paraguay, Israël, le Mali et le Japon. C'est des équipes. Et voilà, il faudra batailler. Hein. Je pense qu'on peut Bien passer. sûr. On peut passer, on peut se qualifier. Mais ça va pas être simple. Et quand on voit au vu des effectifs des autres nations, moi je reste un peu sur ma faim hein, que le Mali n'ait pas pu avoir de joueurs de l'équipe nationale A pour renfort. Parce que les Ben autres en ont surtout, eu. Hein. je sais pas si t'as vu la liste du Maroc. Oui, ils en ont eu. Ouais. Ils ont eu Achraf Hakimi, ils ont eu leur meilleur joueur. Hein. Oui, c'est Ils ont eu ça. le petit, ils ont eu le petit Ben Seguir. Ils ont eu là, des très grands joueurs. Hein. Ça fait peur. Hein. Mais Ousmane, c'est ça. C'est ça que je disais en fait au début de l'émission. Je dis, au Mali, là, on ne voit pas l'influence aussi d'avoir des gens très crédibles hein, dans le milieu du football. Si tu as un Momo Sissoko qui est dans ton staff, lui, il peut négocier avec le club pro parce que voilà, il est crédible dans le milieu. Ce n'est pas une insulte envers ceux qui sont de travail à la fédération ou autre, non, mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir été dans un milieu professionnel de haut niveau hein, aussi, Ousmane. Tout le monde n'a pas été un footballeur professionnel. Hein. Il n'y a que quelques millions de personnes à travers le monde qui ont eu la chance hein, d'avoir une carrière professionnelle. Donc, ces hommes-là, il faut s'appuyer sur ça. Hein. Voilà. Hein. Ben oui, mais dans la théorie, dans la théorie, tout semble très logique. Mais aujourd'hui, en toute honnêteté, si aujourd'hui le football malien ne fonctionne pas comme ça, c'est fait consciemment. Moi, personnellement, c'est fait consciemment. Aujourd'hui, je pense qu'on n'apprend à personne qu'un Momo Sissoko, qu'un Kanouté, fort de leur carrière, sont des joueurs qui aujourd'hui peuvent apporter à cette sélection, même médiatiquement parlant, comme on parlait des binationaux, ou de côtoyer certains clubs. Quand tu es Frédéric Kanouté et que tu vas voir un club, tu es Frédéric Kanouté, comme Thierry Henry aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on met Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir. Je pense que quand Thierry Henry il appelle un club, c'est Thierry Henry qui appelle. Avant d'être Voilà, il le coach, avant d'être le manager de l'équipe de France. Donc, le fait d'être une ancienne icône, ça sert dans le relationnel, dans le football. Mais bien aujourd'hui, sûr, certainement. si aujourd'hui l'équipe nationale du Mali, depuis des années, sciemment ne le font pas, c'est que c'est quelque chose qui est voulu. Et si c'est Mais voulu, Ousmane, faut se poser les questions pourquoi. prenons un cas tout simple. Pourquoi les compagnies, des fois, ils vont avoir des sportifs ou des acteurs dans leur board of directeurs? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que leurs exécutifs ou non, non, c'est parce qu'ils donnent une image à leur compagnie. Ils leur permettent Ben, ils sont influents. d'ouvrir d'autres choses. Ils ont une Bien sûr. certaine influence. Donc, c'est leur influence qu'ils Exactement. sont en train de prendre. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont des experts de business ou autre. Non. Quand tu vois Exactement. pourquoi chaque actionnaire dans beaucoup de grands business, pourquoi toutes ces grandes compagnies lui donnent des actions pour qu'ils travaillent avec eux?
Ce n'est pas parce que chaque est l'homme le plus riche au monde, l'homme le plus intelligent au monde, non. C'est parce que Shaquille O'Neal, c'est une icône. Tu dis que Exactement. Shaquille O'Neal est propriétaire de ta marque, il y a des gens qui vont aller là-bas parce qu'il a des millions de fans à travers le monde, tout le monde le connaît. S'il prend son téléphone pour Exactement. t'appeler, tout le monde sait c'est qui et personne ne va lui dire du n'importe quoi. Donc non, on ne voit pas cette crédibilité-là hein, d'un Kanouté ou d'un Momo ou d'un Seydou Keita dans le staff. Hein. Même à moindre mesure, un Cédric Kanté ou un Brahim Thiam, ils sont quand même des gens qui sont confirmés dans Bien le sûr. football mondial, hein, qui travaillent Bien avec des sûr. grandes chaînes de télévision ou autres, qui peuvent nous Exactement. ouvrir des portes. Ça me frustre hein, vraiment de voir qu'au Mais Mali, quand tu on vois perd tout ça, en fait. que Cédric Kanté il est sur Canal+, que Brahim Thiam il est sur beIN Sports, demain même je te donne un exemple tout con, mais au final nous on a une sous-médiatisation notre équipe nationale. Demain on a ces gens-là qui sont dans la fédération, des reportages sur les joueurs du Mali, des interviews sur les joueurs du Mali, tout ça sera plus simplifié et donnera une cote à nos joueurs qui apporteront une visibilité à nos joueurs pour avoir une grosse nation. Parce qu'aujourd'hui, le football, ce n'est pas que dans les jambes, c'est médiatique aussi. Quand aujourd'hui, on dit souvent, je sais pas moi, par exemple, si quel joueur, je sais pas, si Haller s'appelait Haller Digno, il n'aurait pas la même valeur qu'un Bien Haller sûr. de Côte d'Ivoire. Donc on est tous conscients que le côté médiatique d'un joueur et le surcotement d'un pays va créer une hype autour des joueurs. Aujourd'hui, un joueur Ben oui. sénégalais, qu'on le veuille ou non, il vaut plus cher qu'un joueur malien, malgré qu'ils Ouais. sont peut-être du talent C'est égaux. Ousmane, juste un Ouais. exemple, juste un exemple. Ouais. Aujourd'hui, tu peux avoir un joueur qui quitte le Brésil à 50 millions d'euros. Ouais. Si Messi naît au Mali, si tu as un Malien qui a le talent de Lionel Messi, il ne va jamais quitter le Mali à ce tarif-là, même à 1 Ben million voilà. d'euros. Mais de Parce que toute personne ne va façon, avoir son niveau. mais Même s'il a le Ibrahim, de talent, toute hein, façon, même s'il est un fou, le ouais. football, il ne va pas être vendu à ce prix-là. Ben Ibrahim, on va faire simple. Aujourd'hui, il y a Ibrahim Diarra qui arrive à Barcelone. Il a aucune exposition. Il a C'est pas aucune vrai. exposition, Ibrahim Diarra. Alors que Ibrahim Diarra, parce que là, on parle de joueurs, ok, sur médiatisation ou non. Mais là où il y a la vérité, c'est les tournois ensemble. Quand tu vois que le Mali, ils attrapent un Espagne et qu'ils peuvent leur mettre 3-4-0, ou le Canada, ou le Brésil, ou je ne sais quoi. Et pourtant, dans cette même équipe d'Argentine qui prennent 3 ou 4-0 contre le Mali, ils ont un joueur qui va partir à City pour 40 millions, alors Ouais. qu'Ibrahim, qui aura peut-être mis un doublé contre cette même équipe d'Argentine, va partir pour 500 000 euros. Donc C'est les dés clair. sont bipés de base. Ça veut dire que même au niveau du niveau, aujourd'hui, mentalement, ils nous conscientisent à nous dire que le joueur d'Europe est plus fort que le joueur d'Afrique. Aujourd'hui, sous quelle base? Bon, on va dire que Yamine Lamal, ils ont laissé sa chance. Mais sur la même base, on sait très bien que si Yamine Yamal et Ibrahim Diarra partaient du même centre de formation en même temps, ils n'auraient pas eu la même chance. Alors que peut-être qu'Ibrahim Bien Diarra, il n'est pas sûr. moins fort que Yamine Yamal. Donc, je Bien sûr, pense d'accord. que médiatiquement, si on a des joueurs aujourd'hui, des anciens joueurs, qui arrivent à rentrer dans tout ce qui est média aujourd'hui, le Mali doit s'en servir pour pouvoir remonter la cote des joueurs maliens. Mais Ouais. comme notre objectif, c'est pas finalement de que le football malien s'en sort, eh ben qu'on soit pas étonné. Mais c'est vrai en fait, c'est à plusieurs niveaux, hein. Déjà, le Ben championnat serait plus attractif si on avait ça, si on arrivait à avoir un meilleur diffuseur, même de nos matchs de jeunes, de nos trucs, de tout, on allait mieux vendre nos joueurs, le football allait mieux se porter. Moi, je pense que cet aspect-là, c'est vrai, hein, je comprends, on dit tout le temps, les anciens doivent venir prendre leur place, faire tout. C'est vrai hein, qu'ils doivent faire ça. Mais la réalité aussi, c'est quoi? C'est que nous qui sommes au Mali, là, le côté malien, on souffre de ces choses-là. On souffre du fait que, voilà, on n'a pas ces gars-là autour de nous. On souffre de ça, on n'a pas les meilleurs joueurs maliens possibles. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Mali, aujourd'hui, on aurait ces gars dans le staff, on aurait le meilleur joueur. Ousmane, toi, tu sais comment tu approches beaucoup de joueurs, hein, on le dit. Pas officiellement, mais tu as approché énormément de joueurs qui sont aujourd'hui internationaux. Ousmane, si toi tu étais accompagné d'un Momo Sissoko, est-ce qu'il y a un joueur qu'on n'aurait pas eu dans l'équipe nationale du Mali? On aurait tous les joueurs qu'on veut. Mais Voilà, on déjà, le sait, je pense. tu veux que je te dise la vérité, déjà, au-delà même du fait que si on avait un Momo ou une tête officielle pour s'occuper des binationaux, déjà même le relationnel. Aujourd'hui, à aucun moment, la fédération se pose la question, est-ce que pour avoir un relationnel compréhensible avec un binationaux, pour les démarcher, on ne prendrait pas un binationaux? Parce que quand moi je démarche un binational, le discours que moi je lui tiens,
Il le comprend et il l'entend parce que moi, je Mieux. vis la même réalité que Oui, lui. c'est vrai, c'est ça. En tant que franco-malien, je vis la même chose que lui. Ça Oui, veut c'est dire vrai, que oui, c'est vrai. les mêmes émotions par lesquelles je suis passé en tant que franco-malien, il vit la même chose. Donc déjà, au niveau du relationnel, ça passe beaucoup mieux. C'est vrai. Et ça, j'ai pas besoin d'être, je sais pas moi, Einstein pour comprendre ça. Donc déjà, sur cette base-là, la fédération se trompe sur la communication. Et maintenant, au-delà de ça, demain, ils arrivent à mettre quelqu'un en place de sérieux, comme un Momo Sissoko, mais qui ne va pas l'écouter? Qui va pas C'est l'écouter clair. aujourd'hui? C'est Qu'on soit clair. honnête, ils C'est vont tous clair, c'est clair, l'écouter. oui. Donc, je Clair, pense que oui. voilà, c'est un ensemble de choses. Moi, j'ai parlé avec des binationaux. Comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, ils me disent que je suis le premier à les avoir contactés et qu'ils n'arrivent même pas à comprendre comment ça se fait que c'est une personne comme moi qui est le premier à les contacter juste pour avoir le Mais Ousmane, ressenti. moi j'ai eu la même réponse de beaucoup de joueurs en fait. Hein. Quand j'ai Et tu vois? rencontré autres, on me dit, mais on n'a jamais parlé avec personne de la fédération. Personne ne nous a jamais contactés. Ils sont même Tu vois? surpris. Comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'on ne nous contacte pas? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et ce n'est pas un seul cas, quoi. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc c'est compliqué. Vous savez, c'est nous, on lutte avec des gens qui sont prêts, en fait. C'est ça le Connecté. problème du Mali. Parce que nous, aujourd'hui, on est en compétition avec d'autres nations africaines qui ont accepté d'aller vers le professionnalisme, hein, qui ont accepté d'aller vers la rigueur, qui ont accepté d'investir dans la logistique, dans l'organisation. Le gouvernement malien fait énormément d'investissements au niveau des infrastructures, ça c'est sûr et certain. Mais autour de l'organisation, autour vraiment de l'image de notre équipe et autres, on ne travaille pas assez à ce point-là, quoi. Et moi, je pense que c'est ça qui est le plus gros désavantage du football malien. Donc, Bien sûr. voilà. Ça, c'est un cas. Donc, on va revenir un peu sur le tirage. Hein. On a un peu placé les choses. Je vais partager hein, sur l'écran le groupe des Aigles du Mali et on va pouvoir discuter de ça. Hein. Parce que, voilà, on va parler de ça. Donc, voilà le groupe, le Mali, hein, qui a été, je pense, épargné. Hein. On aurait pu tomber dans pire. Quand je vois les autres groupes qu'il y a, je tremble. Hein. Je suis très, très heureux. Hein. Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini. C'est pas des foudres de guerre, mais une nouvelle fois, on disait la même chose au tirage Coupe du Monde et on est quatrième de notre groupe. Maintenant, moi, ma crainte, en fait, c'est quoi? C'est une nouvelle fois, hein, le Mali a plusieurs adversaires et le premier adversaire, d'abord, c'est l'organisation. On ne fait jamais de bons voyages. Parce que c'est vrai que la dernière fois, ça a été catastrophique, mais la plupart du temps, que le Mali n'a pas un vol direct, ça devient tout de suite un cirque. Donc, Eswatini, je pense que ça, c'est une république au sein de l'Afrique du Sud, donc ça me fait peur. Mozambique, c'est assez loin, donc il n'y a pas de vol direct. C'est encore des vols avec les Éthiopiens, là, donc c'est aller à Addis Abeba, ensuite aller quelque part. Donc c'est au moins une quinzaine d'heures de voyage, ça me fait peur. La Guinée-Bissau, je ne pense pas qu'il y ait un vol direct entre le Mali et la Guinée-Bissau. Donc là encore, ça va être un parcours du combattant. Ajouter à ça l'inconstance des joueurs maliens, il faut le dire. Hein, moi, je ne dédouane pas les joueurs maliens. Ils sont très inconstants dans leur performance. Et ensuite, on a encore beaucoup de flou dans la gestion de l'équipe nationale parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas annoncé hein, un nouveau staff. Donc, c'est le tirage. Les premiers matchs, ça va être en septembre. On n'a pas d'entraîneur. Donc, il y a dans 2 mois, on va jouer. On ne sait pas qui va coacher le Mali. Et ces éliminatoires-là, il y a 2 matchs tous les mois. Il y a 2 matchs en septembre, il y a 2 matchs en octobre, il y a 2 matchs en novembre. Donc, ça va aller très, très rapidement. Donc, est-ce qu'on aura le temps de préparer? Ousmane, moi, j'ai très peur pour le Mali. J'ai peur pour le Mali. En toute honnêteté, je pense que ça va être très compliqué parce que avec les sanctions qui ont été données à Marie, je pense que clairement que le groupe ne va pas se désolidariser de lui et ça risque d'empirer les choses. Donc, avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur ce staff qui doit être mis en place, sur le coach qu'on doit trouver. Sur cet ensemble de choses, je pense que ça va être vraiment très 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 compliqué et il va falloir être encore beaucoup plus comment dire beaucoup plus rigoureux qu'à la normale parce que sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Après, c'est vrai qu'on a de la chance et qu'on est tombé dans un groupe qui aurait pu être vraiment pire que ça. Ouais, Et parce qu'il y a des groupes de la mort, hein. Il y a des groupes de la ouais, mort, hein, dans ce cas-là. il y a des groupes de la mort.
y a des groupes de la mort qui auraient pu être bien plus compliqués. Mais je pense que si on arrive à régler tous les petits problèmes d'à côté, je pense que normalement, c'est un groupe qui est abordable pour nous quand même. C'est un groupe qui est abordable pour nous. Un groupe qui Je est vois abordable. pas une Moi, équipe je qui. vais répondre rapidement à Amadou Ouais. Dembélé, parce que ça, c'est une chose qu'on entend souvent. Amadou Dembélé, vous savez, beaucoup de gens font beaucoup de choses pour le Mali, sans mandat, sans rien. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose sans mandat et sans rien, parce qu'on évolue dans un monde professionnel. Voilà, quand tu appelles un joueur, tu lui parles, est-ce que tu es mandaté par la fédération? Est-ce qu'il y a même un suivi? Ousmane, toi et moi, on en a approché beaucoup de joueurs, hein, on a eu les problèmes même pratiquement, parce que quand on approche les joueurs à la fin, les joueurs pensent que nous, on sommes des escrocs, et la fédération pense qu'on est en train de prendre de l'argent chez les joueurs. Voilà. Donc nous, on se trouve dans cette situation-là, alors que nous, on est patriotes. Donc, quand un Cédric Kanté avec son aura et autres qu'il a, ce que moi, Ibrahim peut faire, lui, il va pas le faire sans mandat, parce que moi, j'ai pas de réputation à défendre dans le football. Lui, il a une réputation à défendre dans le football. Donc, qu'on respecte les gens, qu'on respecte nos icônes, que si on a besoin de leur carnet d'adresse et de leur appui, bien qu'on les approche. Hein. Quand tu as la charge de quelque chose, c'est ton devoir de chercher les gens qui peuvent t'aider. Moi, j'ai créé cette chaîne Africa Sport, là. Je suis toutes les personnes que vous voyez sur ce plateau-là, je les ai approchées. Je leur ai proposé quelque chose, je leur ai dit, on va travailler ensemble, on va faire ci, on va faire ça. Ils ont été intéressés, voilà. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ousmane est dans sa voiture aujourd'hui, là, il rentre du boulot, il est fatigué. Mais il respecte, je respecte son temps, c'est pour ça qu'il me respecte, il prend son temps pour venir sur le plateau. Donc, la même manière que moi, je fais ça, les autres personnes qui sont à la charge du football malien sont libres aussi d'aller chercher Non, les gens qui peuvent les aider. C'est tout. mais Ibrahim, je pense que même tu donnes. Je sais que tu veux répondre pour donner des explications, mais je suis désolé, je pense que ce genre de personnes ne méritent même pas de l'attention. Parce que c'est les mêmes personnes là qui sont en train de parler, qui n'ont jamais rien fait pour le Mali, et qui se permettent de parler des gens qui se sont sacrifiés à des niveaux qu'ils peuvent même pas imaginer. Et tu vois, et c'est le comble de l'ingratitude du Malien. Le jour où tu fais 100 fois et que tu fais pas un demi, t'es un apatride, t'es quelqu'un qui, t'es un contre-patriote, t'es, voilà, aujourd'hui, Eric Chelle, c'est la pire des races, Cédric Kanté, il est pas patriote, Momo Sissoko, il est pas patriote. Ces gens-là, c'est des rigolos. La vérité, c'est des rigolos. Moi, je porte même pas d'attention sur ça, ça en vaut même pas la peine. Ça en vaut même pas la peine. Ça, c'est ça. Donc, on a Soulé qui nous a rejoint. Soulé, bonsoir. Soulé, j'ai la vidéo hein, de l'interview du ministre des Sports hein, qui s'est exprimé par rapport au déplacement des aigles du Mali. Donc, donnez-moi une seconde, je vais partager ça sur le plateau. Hein, comme ça, tout le monde pourra voir la réaction du ministre hein, par rapport au déplacement de la sélection. Voilà, Bonsoir je te lance. Ibrahim, bonsoir Ousmane et à tous les couleurs. Bonsoir, Soulé. C'est ça. Soulé, je vais lancer un. Bon, bi églouer vraiment un fin bas de vous parce que ni aïe un investissement béquet quand là c'est églouement églouer hôtel Jora voilà Jolé nous a rénové stade nous a rénové à bec à l'aide à monsieur un jour surtout l'équipe nationale de la condition mouna voilà ça n'a pas stade mon homologué ou tu n'as pas match joué au vrai. Bobby, on a mis sur le lot, ma liste de homologuer le lot. D'or, on a inauguré à ma mère, on a fait la procédure de cadamne. On a la sonna, peut-être qu'on a fait l'obligation de n'abord. Mais il y a des tenues, on n'a pas de balles. Parce que Nika Stadi m'a homologué, il y a un jamana qui a joué, jamana qui a joué. Mais Bibi, il y a un jamana qui a joué, il y a un jeu en fait. Il y a des tenues à la ma mère, parce que Burkina et Kibou n'a joué mal de là. Parce que lui, il a fait un stade homologué le tout, il peut couper un jeu, non. Bon, hein? La Guinée aussi. Bon, bien, les Guinées, Niger, Mouana, vous retirez la foule à Nastadouille, pour les réclamer dans Nastadla, pour le phénomène à Yini, nous avons match délocalisé, ou qu'on a match délocalisé mal là. Donc, à Réunion, Burkina, Guinée, Niger, ou le Bébé, vous venez à Mais, vous venez à Jouéa, là, c'est parce que Nastadou Kaye. Bon, dans un stade où quand on fait des missions, mais on ne fait qu'un égout de camion. Donc, quand on regarde maintenant qu'on tient sur les mots, on nous quand la condition qu'on a lancé mieux, parce qu'on sait qu'un goulot fera ni goulot tirer à ce niveau de la nama c'est rom n'avait fera. On a dit maintenant, on sait mieux,
pour qu'on a fait un cas de la condition belle. Mais moi, dans la galère, on s'est dit la galère, on s'est dit comme ça, on a une galère de l'Obé, on a eu un foyer, la fédération de l'Obé, l'Aiglou de l'Obé, maintenant, on a un département qui est en bas. Parce que fait l'Aiglou a voyagé au département de la Baraye, fait l'Aiglou a pris en charge au département de la Baraye. Fefe egeluka egeluka premier au département de Baraye. Mais primo prise en charge ani voyager oui en oui en responsabilité donc nous responsabilité b ni défaillance b ali erreur ma boîte directement département à département de nord au coro koto fene ni responsabilité mou sengoro ka foko mo ora ke otere nous ka responsabilité na bouka responsabilité konna la ou fene ko ka responsabilité ta akera fédération yo à quel joueur ou on a fourni sport management quand on a une fédération n'est pas pareil nous quand on dit déjà là on a la gestion qu'on a là quand on a tout le monde au final on n'est pas pareil on est quand on cherche là parce que au final on a responsabilité on est un regard toi belade là on a responsabilité au mieux au courant de quoi état qui s'envoie à la déhauteur on y va là on a un mouvement baraque mais il faut que nous soyons responsables allez faire la responsabilité assumée. Jour où nous donnons terrain qu'on a là, qu'au ballon où c'est mort, ministère terrible, fédération au final, on a la responsabilité. Donc, on a déjà terminé. FFB a été donné nos 600. Donc, 600, on a donné nos BFF. On a intégré l'ignorance. Galéa B, Galéa B. Ou Galéa B. Ou lui, Galéa B. On a mis sur le surmonté. Tu vois, on a fait. On a surmonté, on a avancé. Johannesburg, mon voyage Kera, oui, département de Noé. Département, on y a une responsabilité, on y a une responsabilité, ou on y a une. Mais après, on a fait un abo, on a fait un département qu'on a de l'autre, on a fait un abo. Mais on a fait un abo, 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 pour que nous on a fait un abo. Maintenant, il y a déjà terminé. Préparatif ou fait. Fekera mondial la ani kan événement bé prime pour problème mayala voyage pour problème mayala prise en charge pour problème mayala donc est-ce que Johannesburg doit ou kanga fo ou beka na boku fui manye en fin de gan haklita ou yoro la ça na yuke ou koroko on n'a pas été juste parce que état est fort bas de ke. Donc au euro là au chibé au béa bessui faut qu'à ta canba de fumaye en à côté là et à côté là au côté là mais Johannesburg ouyanga de fou mais est-ce que Johannesburg quand a tombé effacé à fana quand au euro n'y a terminé à qui la voyage ma cabella de voyage ma cabella voyage d'autant à malaya donc en a déjà terminé fait la responsabilité mieux en vous situé. Ni mouma mouna gagné. Awan eta ambora anya fo mouma ke gagné. An son mouma. Oye Johannesburg voyage. Awa beka feneka boki ka migrota. Ni mouma mouna gagné. Fene kou fo. Kola anga se ka avancé. Sina mi yuzi yama balon tan kou la de. Sina nera mou se ka bidou. Me ne ma tater. Voilà. C'est là le ministre qui a réagi maintenant hein, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui hein, avec cette crise quand même. Hein, il faut reconnaître que c'est une crise puisqu'il y a un joueur qui est suspendu, l'équipe est sans encadrement technique pour le moment et on est plutôt à pointer du doigt. Hein, donc le ministre aussi est sorti pour assumer. Hein, c'est clair que ce déplacement catastrophique était la responsabilité du ministère. Mais globalement, sur les 30 dernières années, hein, quand même, où je veux dire que je suis le football malien à un certain niveau, le Mali, on a eu beaucoup de bons, très bons joueurs. Hein. On a eu aussi une très bonne formation hein, parce que 2015, la promotion qui est sortie en 2015, on a cru que cette promotion-là vraiment allait pouvoir avoir des résultats pour nous. Ben, la plupart de ces joueurs aujourd'hui commencent même à quitter l'équipe. Hein. C'est des trentenaires, maintenant, on s'y tire vers leur fin. Et on ne passe pas les paliers, hein. On n'arrive pas à passer les paliers. Est-ce que quelque part aussi, on ne doit pas
revoir notre gestion globale de notre sélection. Et moi, je sans accusation ou autre, moi, mon appel, c'est être plus ambitieux, être plus viser les détails, en fait. Parce que la vérité, c'est quoi? Moi, mon point de vue, c'est quoi? C'est la différence entre les équipes. Ce n'est pas significatif, en fait. Sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. La Guinée équatoriale peut battre la Côte d'Ivoire. Le Mali peut battre le Nigeria. Voilà. Mais la vérité, c'est que quand tu as des petits détails, des petits détails, des petits détails qui te manquent, en fait, ça devient significatif. Regarde une chose, Soulé. Aujourd'hui, nous, on n'a aucun renfort de joueurs complets de l'équipe nationale A pour aller au JO. Regarde la liste du Maroc. Le Maroc a des joueurs confirmés. Ça c'est dû à quoi en réalité, Soulé? On a moins de crédibilité auprès des clubs européens. Parce que dans le staff malien aujourd'hui, là, ils sont compétents, hein, ils font leur travail très bien, mais tout le monde n'a pas la chance d'être un Cédric Kanté. Tout le monde n'a pas la chance d'être un Momo Sissoko. Un Momo Sissoko, il a joué à la Juve, il a joué à Liverpool, il a eu des agents en Europe, il connaît les agents, les directeurs sportifs de nombreux clubs européens. Si lui, il appelle le Red Bull Salzbourg, il va appeler l'agent de quelqu'un qui connaît le directeur sportif, avec qui il va discuter, il va lui expliquer des choses et le gars peut lui faire des faveurs. Ça, c'est important. Cet aspect relationnel-là est important, en fait. Parce que les décisions-là, elles se prennent en coulisses, elles ne se prennent pas officiellement. Et les manques qu'on accumule comme ça, c'est ça qui fait qu'il nous manque des choses maintenant en compétition. Quand on va aller au JO, là, si on se fait battre en demi-finale, peut-être qu'un Kamouri ou un El Bilal aurait pu être un avantage pour nous. Nous, il nous manque toujours ce petit truc-là, et à la fin, on n'a pas de résultat. C'est ça qui est terrible pour nous, en fait. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour changer ces choses, vraiment? Rebonsoir à tous les foulés d'Africa Sport 24, et bonsoir à toi aussi. Ibrahim, d'abord, moi, je voudrais remercier ma soeur, Djenaba Tessougoui. C'est grâce à elle que j'ai eu la vidéo là. J'ai insisté parce que j'étais très occupé. Je ne pouvais pas aller au LAN 1 du ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc, je l'ai demandé. C'est elle qui m'a fait la vidéo dans le montage. Vraiment, je la remercie beaucoup. C'était pour éclairer un peu la lenteur du plus sportif. Hein. Ibrahim, je pense que tout ce que le ministre a dit aujourd'hui, moi, sur ce plateau, ou Drissa, on a tout dévoilé ça. Et on l'a même dit, ce n'est pas pour défendre quelqu'un, la fédération, ni rien, ni les joueurs, ni le département. Mais on a situé les responsabilités. Nous sommes ici à Bamako, on s'informe, on sait comment ça se passe, Ibrahim. Donc, c'est ce qu'on a dit. Le voyage sur Johannesburg, c'était la faute au département des sports et le ministre l'a reconnu. Moi, je suis très fier aujourd'hui. J'aurais aimé que, sincèrement, ceux qui ont dit que c'est pour défendre la fédération ou autre, qui viennent pointer en commentaire et dire merci sous les Drissa, vraiment, vous avez dit ça par le passé. Mais ce n'est pas important, ça fait partie de notre travail. Souvent, quand on parle de certaines choses, que les gens n'ont pas cette information, voilà, on peut nous traiter de tout, hein, Ibrahim. Mais maintenant, pour revenir, Ibrahim, à ce que tu as dit, tu sais, il y a beaucoup de plaies dans notre football, Ibrahim. Beaucoup, 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 beaucoup de plaies. Maintenant, la seule solution, Ibrahim, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nous, souvent, quand on voyage, nous, journalistes, quand on voit certaines choses dans d'autres pays, bienvenue Ousmane, quand on voit certaines choses dans d'autres pays, vraiment, nous, quand on vient, on parle de cela pour que nos dirigeants voient ça. Maintenant, essaye de copier et de ramener ça chez nous aujourd'hui. Ibrahim, le football a développé. Il y a eu beaucoup de choses. Je prends l'exemple seulement sur le cas du Sénégal. Regarde l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui. Comment le staff est entouré? Est-ce qu'au Mali, ici, on n'a pas essayé de le faire? Si, on a essayé de le faire. Mais Ibrahim, qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on nous dit, quand un État te dit aujourd'hui, nous, on ne peut pas payer aujourd'hui un entraîneur à 30 à 35 millions. Est-ce que ce même État-là va aller chercher un Cédric pour venir à côté de lui, d'un staff, ou bien aller chercher un certain Bassara pour venir? D'autant plus que quand tu les appelles pour venir travailler, normalement, tu dois les payer. Je t'ai pris un peu en cours de route quand tu disais que quand tu as démarché Ousmane, moi et Drissa de venir sur le plateau, tu as été très clair avec nous. On sait qu'il n'y a pas d'argent dedans. Souvent, au début, Ibrahim, c'est toi qui payais moi-même mes connexions pour que je puisse venir. Quand je n'ai pas d'argent pour payer la connexion, je te dis que je n'ai rien aujourd'hui, Ibrahim, est-ce que tu peux me recharger? Tu le faisais. Imaya. Donc, au bel débat qu'on a là, Barabekel, tu vois, de là. Mais nous, il faut le dire, hein, ce n'est pas parce que ça se passe aujourd'hui. Nous sommes dans l'amateurisme, Ibrahim. C'est dans ça qu'il faut quitter aujourd'hui. L'amateurisme, qu'on le laisse à côté, qu'on parle maintenant de la réalité. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le projet qu'on a tracé pour 2025, 2026, 2027, 2028? C'est ça le plus important. Mais restez là, voilà, bon, ça, ce voyage n'a pas marché, il faut qu'on tire les leçons, on va tirer les leçons. Et après, non, il faut préparer.
C'est pour ça que j'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, au Mali, il n'y a pas d'action, il n'y a que des réactions. Il n'y a pas d'action. Donc, il faut qu'on aille dans les actions maintenant, poser des actes maintenant pour bénéficier des actes qu'on peut bénéficier en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu veux bâtir une équipe nationale, remporter une Coupe d'Afrique des Nations, ok, toi, tu n'as pas un bon espacement. Ibrahim, c'est un problème. Regarde nos cadets qui sont passés en 2015, en 2017, en 2018, en 2019. Où sont-ils aujourd'hui? Rares sont ceux qui sont aujourd'hui avec l'équipe senior. Ils sont au moins 1 ou 2. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a beaucoup de... Ce management-là, Ibrahim, c'est ce qui manque à notre football. Et ce management-là, Ibrahim, nous avons tous notre rôle là-dedans. Que ce soit journaliste, que ce soit fédération, que ce soit département des sports, nous avons tous nos rôles là-dedans à jouer pour que ce qu'on veut, ce qu'on recherche pour demain, qu'on puisse l'avoir aujourd'hui. Merci Ousmane. Justement, je vais relancer Ousmane hein, sur un cas très clair. Hein, on parle de management. Ici, sur ce plateau, hein, bon, je peux dire Ousmane, même et moi, on a eu des heures de conversation hein, de ça, du cas du jeune Yalkoï, hein, Malik Yalkoï, qui a quitté la SEC qui allait en championnat suédois. Aujourd'hui, c'est un garçon qui va faire un transfert à près de 10 millions d'euros vers Brighton. Brighton, on sait que c'est une porte d'entrée pour beaucoup de ces jeunes joueurs africains maintenant vers l'Europe et vers les grands championnats, vers la Première Ligue. C'est un garçon qui va signer là-bas après 6 mois en Côte d'Ivoire. Nous, on en a parlé hein, de nombreux jours, hein, des semaines et des semaines, on a parlé de ce garçon-là. Mais réellement, nous-mêmes qui sommes des observateurs du football malien, on a fait de ça un sujet sérieux. Mais on n'a jamais eu ce sentiment hein, des responsables sportifs maliens que ce soit vraiment une priorité pour eux. Aujourd'hui, ce garçon, il va partir là-bas. Moi, j'avais échangé avec lui brièvement hein, par le passé. Hein. Il n'était pas opposé, il était plutôt même pour jouer avec le Mali. Hein. Mais les choses vont vite au football, hein, il faut se dire la réalité. Hein. Aujourd'hui, à ce qui paraît même, il a un passeport ivoirien, alors que ce n'était pas hein, quelqu'un qui avait la nationalité ivoirienne avant qu'il aille en Suède. Hein. Parce que tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas le droit du sol, hein, c'est le droit du sang. Donc, bien vrai qu'il est né en Côte d'Ivoire, il est né de parents maliens. Donc, il avait la nationalité malienne jusqu'à très récemment. Mais justement, les détails se forment à ce niveau-là, en fait. Un garçon comme Malik Yalkoï, peut-être demain, il ne va pas jouer avec le Mali. Il va jouer avec la Côte d'Ivoire. C'est possible aujourd'hui. Et c'est un talent qui va être en moins dans notre équipe. Donc, c'est l'accumulation de ces manques-là, en fait, qui font que le Mali n'arrive pas à compétir avec les meilleures équipes. Si on enlève à la Côte d'Ivoire Seko Fofana et Ndinka, c'est pas dit qu'ils vont être champions d'Afrique. Mais pourquoi? Parce que eux, en fait, ils essaient de renforcer leurs équipes avec tout ce qu'ils peuvent. Et même quand tu fais ça, tu n'as pas la garantie de gagner. Mais nous qui n'insistons pas beaucoup, nous qui nous entourons même pas des joueurs, des gens même qui sont prêts à aider le Mali, on ne s'entoure pas d'eux. Comment imaginer qu'un gars comme Momo Sissoko n'a pas de mandat de la Fédération malienne, qui fait des démarches pour avoir un mandat auprès de la Fédération malienne de football? Moi, je veux dire que ok, si Cédric a demandé un salaire qui était trop élevé à la fédération, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait une contre-proposition? Ousmane, moi, je ne vous donne pas d'argent. Hein, je ne vous donne pas d'argent pour être sur ce plateau. Mais on a trouvé un point de contact pour travailler ensemble sur beaucoup de choses. Donc, pourquoi eux, ils ne peuvent pas trouver un tel compromis avec des gens qui ont déjà d'autres métiers, en fait? Cédric, il est consultant, il a d'autres activités. Il peut le récompenser d'une autre manière. Ok, on va te donner un salaire, mais tu as une prime à la qualification à la CAN. Si on va à la CAN, l'argent que la CAF va nous donner, tu auras un pourcentage. Si on va au Mondial, l'argent qu'on aura, tu auras un pourcentage. Il y a d'autres moyens de faire des compromis avec quelqu'un. Pourquoi la fédération n'est pas jamais retournée avec Cédric Kanté avec un autre compromis qui peut lui proposer, qui n'est pas de l'argent, ou même dire, OK, on ne te donne pas d'argent, mais si tu as des initiatives ou autres avec, pour des sponsors ou autres, tu peux avoir un pourcentage de ce que tu nous apportes comme argent. Il y avait 1000 manières de trouver des compromis. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'en ont pas fait. Donc, finalement, nous, aujourd'hui au Mali, moi, je le dis pourquoi. Moi, je suis supporter malien. Moi, je souffre du fait, pas que tout le monde ait des faits du Mali, hein, mais je souffre du fait que le Mali, en fait, n'a pas pleine possession de son potentiel, en fait. On tourne à 30% de ce qu'on devrait être. Et tu ne peux pas tourner à 30% de ce que tu es et compétir avec les gens qui sont à 110% de leur potentiel. Le Maroc, aujourd'hui, ils sont à 100% de leur potentiel. Hein. Toutes leurs académies, là, ils forment de très bons joueurs. Ils ont de très bonnes infrastructures. Les Marocains, ils ont des antennes partout en Europe. Tout le Marocain qui naît là, même s'il joue au Real Madrid, là, il va venir jouer avec le Maroc. On ne peut pas compétir avec ces gens-là comme ça. Ça arrête. Disons-nous la vérité, on ne peut pas. Mais tout simplement parce que le Mali a un ego surdimensionné et se croit pour ce qu'il n'est pas. Le Mali pense que c'est le Brésil, que c'est la Seleção. Quand aujourd'hui on voit le Maroc qui convoque Ben Seguir après même pas une saison à Monaco à 18 ans,
Tu crois que le Maroc, ils ont pas des attaquants qui ont la possibilité de d'être au-dessus de lui, mais ils voient au long terme. Le Mali n'a aucune vision sur le long terme. Quand on nous parle de, on parle de Yalkouyé et qu'on nous dit il est pas prêt, il est pas prêt là. Mais vous pensez que Brighton, quand il le prend, c'est parce qu'il est prêt? Vous pensez que quand des clubs comme Liverpool, Bayern de Munich, Brighton, ils se font la guerre pour l'avoir, c'est parce qu'ils pensent qu'il est prêt? Parce qu'ils savent que c'est. Mais oui, mais ils vont lâcher 10 millions d'euros. Pourquoi ils ne lâchent pas sur Djambou? Pourquoi ils ne lâchent pas sur quelqu'un d'autre? C'est pas pour dire qu'ils sont moins bons. C'est pas ça que je suis en train de, que je suis en train de vous dire. Mais les gars, il a un potentiel qui est plus gros, mais vu que les gens ne le connaissent pas au Mali, eh ben, on le connaît pas au Mali, donc on va préférer d'autres joueurs. Mais les gars, à un moment donné, essayons d'arrêter d'avoir de l'ego et de regarder les autres. Si les autres travaillent mieux que nous, arrêtons d'avoir des œillères et de se dire parce qu'on est malien, on est les plus fiers, on vient de l'Empire du Mali, donc on regarde personne d'autre. L'Empire du Mali, c'était il y a des centaines d'années. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent mieux que nous dans plein de corps de métier, dans plusieurs choses. Il est temps que le malien arrête de se regarder et arrête d'être jaloux. À un moment donné, regardons les autres, comment ils travaillent, et essayons d'apprendre des autres, parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Le Mali peut apprendre des choses à d'autres personnes, mais on peut apprendre des autres. Si on voit que des clubs se battent pour ce petit, il fallait le convoquer. Aujourd'hui, voilà, patatras. On arrive, on est dans une situation où le Mali, il est en crise. Mais c'est le meilleur moment pour la Côte d'Ivoire d'attraper Yalkouyé. Pourquoi il va venir au Mali quand 44 Maliens ont signé des pétitions pour ne plus venir? Pourquoi il viendrait chez nous? Sous quelle raison? Donc voilà, à un moment donné, quand on voit comment les autres travaillent et que c'est des nations qui sont plus fortes que nous, s'ils ont cette humilité de prendre des gens plus jeunes pour le long terme, il faut que le Mali commence à travailler dans ce sens-là. Si on veut pas et qu'on croit qu'on va continuer à avoir les gens, regardez N'Golo Kanté, on l'a perdu comme ça. N'Golo Kanté, il était prêt à venir au Mali quand il était à Caen. On a attendu qu'on soit face à Deschamps pour dire à N'Golo Kanté, mais il faut que tu sois patriote. Viens jouer pour ton pays d'origine, là où il y a la poussière. Quand Deschamps, là, il vient te proposer d'aller jouer pour l'équipe de France, et après, on va dire que c'est pas un patriote. Ben ouais. Quand on parle de N'Golo Kanté, moi, je me rappelle, moi, j'avais trouvé que N'Golo Kanté était déjà un très bon joueur quand il était à Boulogne-sur-Mer, hein. Pas en D2, quand il était en National, parce que c'était déjà un des meilleurs joueurs de National. Voilà, à l'époque, les Maliens ne l'ont pas trop pris au sérieux. Or que des fois, c'est une affaire d'opportunité, hein. Ben oui. Voilà, hein. C'est une affaire d'opportunité, il faut saisir quand tu peux saisir, quand c'est difficile pour toi, ben il faut être réaliste, hein. Donc est-ce que aujourd'hui ce problème de timing, ce manque du détail là qu'on a, parce que moi j'ai aimé le discours du ministre est clair, mais c'est aussi subtil quand il dit que le département fait les infrastructures, il paye, mais le management sportif là, la vision sportive, le plan sportif, ça ne vient pas du département. Cette absence, moi, je pense que c'est là le plus gros problème du Mali. Il faut qu'on travaille. Ça, le ministre a été très clair. Et il dit, chacun n'a qu'à sortir, prendre son micro, maintenant, situer ses responsabilités. Donc là, directement, on sait qu'il parle soit des aigles à un premier temps. Dans l'autre temps aussi, il parle aussi de la Fédération malienne de football qui a son rôle à jouer aussi, il faut le dire. Maintenant, préparer une bonne équipe, mettre une équipe en place, tout. Moi, je pense que ça relève directement de la Fédération malienne de football. Ils ont leur part à jouer aujourd'hui. Moi, je pense qu'après la sortie du ministre, la Fédération aussi doit en toute responsabilité sortir, communiquer, dire voilà, notre vérité. Voilà, c'est tout, hein. Mais maintenant, Ibrahim, le management aujourd'hui, là, je t'ai dit que c'est un grand problème au Mali. Un très grand problème au Mali, Ibrahim, il faut le dire. Sincèrement, hein. Tout le monde, beaucoup de gens ont parlé de Yalkouyé. Mais sincèrement, ce gamin, je te dis, hein, moi, je l'ai connu à travers toi. Hein, je ne l'ai jamais vu, même une minute. Donc, moi, je ne doute pas. Parce que la dernière fois, moi, je me rappelle, je m'appelais de Sirene Doucouré. C'était pareil. Hein. Après, on t'a donné raison sur ce même plateau-là. Mais voilà. Mais sincèrement, Ibrahim, aujourd'hui, quand on parle de football, là, quand on parle de football, c'est la Fédération malienne de football. Elle doit s'assumer. Coûte que coûte, elle doit s'assumer. Elle doit travailler coûte que coûte. Il y a beaucoup, ils ont fait beaucoup, mais il y a beaucoup aussi encore à faire. Il y a beaucoup d'autres propositions à faire. Si aujourd'hui, on a un staff, je te prends un exemple, on a un staff aujourd'hui qui est là, composé, que ce soit d'un entraîneur et son staff. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir aujourd'hui l'un de nos anciens joueurs à côté du staff aujourd'hui. Que l'État dit, nous, on ne peut pas prendre ça en charge. La fédération doit être capable de prendre ça en charge, Ibrahim. Une personne ou deux personnes.
Maintenant, c'est à voir de négocier avec eux. Maintenant, c'est des Maliens. Ils ne vont pas refuser. On sait que ce que Eric a proposé quand il venait, c'est parce qu'on l'a, on lui a donné. Mais un tout bon Malien, il a accepté et il a fait le job avec ça. Donc, on ne peut pas rester là comme ça, Ibrahim. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Un, de deux, on avait parlé de quelque chose dont je vais revenir là-dessus. Maintenant, avoir une direction technique au niveau de l'Europe, Ibrahim, comment ça se passe? Finalement, beaucoup de talents vont partir comme ça. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité, beaucoup de talents, beaucoup de jeunes vont partir. Rares sont ceux qui auront maintenant pourront avoir des contacts avec, que ce soit avec nous ou bien des agents des joueurs qui vont demander maintenant à revenir à travailler. Donc, c'est comme ça, ça va marcher. Sinon, maintenant, sincèrement, il faut que la fédération aussi change de fusil d'épaule. Non, c'est sûr. Hein. Et puis moi, je suis inquiet hein, même par l'escalade de la situation entre la fédération et Amari, parce que je pense que c'est... On a personnalisé le débat. Amari, c'est le capitaine des Aigles du Mali. Il parle au nom d'un groupe, il ne parle pas à son nom. Et il est dans son droit de parler au nom du groupe parce qu'en fait, c'est ça, être le capitaine, il a le brassard, en fait. Donc, la déclaration qu'il a faite, ce n'est pas lui, Amari. C'est une déclaration qui a été partagée par 44 joueurs. Moi, je pense que sanctionner le capitaine n'est pas une voie d'apaisement. Il faut, et moi, je pense qu'on doit sortir de cette position-là parce que s'ils suspendent Amari, il y a un mot d'ordre des gens qui ont signé, les 44 qui ont signé là. Peut-être les 44 ne vont pas le suivre, mais c'est sûr qu'il y a 6 ou 7 joueurs, en tout cas avec qui il est proche, qui vont le suivre dans ce cas-là. Moi, je le dis, hein, le Mali, on prend à la légère ces éliminatoires de la CAN. Moi, je revois l'image 2005-2006, ce qui nous est arrivé. Il faut qu'on mette balle à terre. Il faut qu'on essaie de redresser cette situation-là. Parce que, moi, je suis désolé, la fédération a des lacunes dans la gestion sportive de l'équipe nationale du Mali. Parce que l'équipe nationale du Mali tourne à 30% de son potentiel. Moi, je le dis et je répète, hein, une équipe qui ne peut pas, aujourd'hui, dans la réalité du football africain, ne pas maîtriser ta diaspora, tu ne peux pas compétir avec les autres. C'est impossible. Parce que les autres équipes, là, ils gagnent grâce à leurs binationaux. Hein. Moi, je suis désolé. Qui est le buteur de la Côte d'Ivoire? C'est un binational, c'est quelqu'un qui est venu tard en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sébastien Allaire, il est récent en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça fait pas 2 ans qu'il joue, il a déjà 30 ans. C'est quelqu'un qui est venu à 28 ans en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et s'ils n'étaient pas allés le chercher, là, s'ils n'étaient pas allés chercher Sekou Fofana, là, qui leur a fait traîner, qui les a humiliés comme pas possible, là, a refusé de venir jouer en Côte d'Ivoire et tout ça, là, ils n'allaient pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Leur binational, là, ils ont montré. Hein. Avant ça, là, Mendy, là, Nampalis Mendy, et puis Bounassar, là, ils ont été décisifs pour le Sénégal dans le titre sénégalais. Moi, je ne pense pas que le Sénégal allait être champion sans Nampalis et Bounassar. Bien vrai qu'ils avaient une très bonne équipe parce qu'ils sont venus, ils ont fait la différence. Mais ils sont venus, ils avaient. T'oublies Abdou Diallo qui a fait une CAN exceptionnelle. Voilà. Donc, pour dire qu'un pays aujourd'hui se mentir, hein, nous, au Mali, on aime nous mentir à nous-mêmes. On aime se mentir que Sinayoko et El Bilal ont le niveau d'Alassane Player de Moussa Dembélé. Ils n'ont pas leur niveau. Non, c'est l'ego, ça. L'exemple de ces gars-là qu'on n'arrive pas à voir, c'est révélateur de la faiblesse de notre capacité à renforcer notre équipe. Mmh. C'est très révélateur. Moi, je vous assure que ces gars, ils seraient mauritaniens aujourd'hui, ils auraient joué avec la Mauritanie. Mmh. Voilà. Donc, moi, je veux dire, tant que le Mali, là, vraiment, on n'est pas un pays qui vraiment accepte d'avoir un staff qui est reconnu, c'est pas une honte. Dans la vie, là, tous les hommes ne sont pas égaux. On fait semblant, mais tout le monde n'est pas égal. Tout le monde n'est pas Momo Sissoko. Tout le monde n'est pas Cédric Kanté. Tout le monde n'a pas Frédéric Kanouté. Il faut respecter le parcours de l'homme. Ces gars-là, ils ont été professionnels. C'est des binationaux. Ils sont sur des plateaux de grande télévision internationale. Ils connaissent tous les agents qui existent au monde. Mais c'est nous, on veut dire qu'on peut se passer de ces gens-là et avoir le même résultat. Ça, c'est même un manque d'humilité. Moi, si j'étais dirigeant sportif malien aujourd'hui, j'allais le premier jour, je suis président de fédération. Mon deuxième jour, c'est d'aller rencontrer Sédou Keïta, Frédéric Kanouté, Momo Sissoko et Mamadou Diarra Adila, parce que les 4 Maliens qui ont joué dans les grands clubs, ceux qu'ils ont vus, personne de Malien n'a jamais vu ça. Ces 4 hommes, ceux qu'ils ont vus dans leur vie, là, aucun Malien n'a jamais vu ça dans le football. Soyons humbles, ceux qui sont devant nous, acceptons qu'ils sont devant nous et allons prendre leur savoir. Il faut être humble, là. Moi, je suis désolé, hein. On a besoin de ça, là. Ibrahim, j'espère qu'après ça, on aura le temps de parler des U23, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent.
Donc, il faut qu'on donne des réponses par rapport à ça. Voilà. Donc, maintenant, avant de rentrer avec le truc, j'aimerais éclaircir quelque chose, Ibrahim. Que nos frères comprennent une chose. Je l'ai dit peut-être, je vais me répéter encore. La fédération, les journalistes ne votent pas. Nous, on ne vote pas. Il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires quand on faisait l'élection du président ou les prisonniers, où étaient les journalistes sportifs. On était à Bamako, on était là, tous présents dans la salle. Mais nous, on ne vote pas, Ibrahim. On n'a pas le droit de vote. On ne peut rien contre ça. C'est les ligues, c'est les districts, c'est les présidents des clubs. Nous, on ne vote pas, de grâce. Comprenez un peu, quoi, que nous, on ne vote pas. Donc, nous, on ne peut pas dire à quelqu'un d'aller voter, ce n'est pas notre droit aussi. On ne peut pas dire à quelqu'un aussi de voter. Ça aussi, ce n'est pas notre droit, Ibrahim. Donc, bref, donc c'était pour ça que je voulais dire. Maintenant, ceux qui demandent les U23, Ibrahim, ça va à Alhamdoulilah. Normalement, le deuxième match est prévu pour le samedi. À 17h, ça va se jouer à Kabbalah contre les U20 encore, normalement. Maintenant, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent autour de cette équipe-là. On demande, il y a d'autres qui sont en train d'affirmer des choses, Ibrahim, que certains joueurs qui sont dans l'âge de jouer avec l'équipe de U23, qu'ils ont refusé de venir. Ibrahim, pour moi, ils sont en train de ternir à leur image. Ibrahim, les Jeux Olympiques, ce n'est pas une date FIFA. Les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs. Mais, avec des démarches, avec des contacts, avec des relations, d'autres joueurs peuvent être libérés. Voilà pourquoi ils sont là. Djambou, il n'est pas là parce que ce que le staff m'a dit, je parle au contrôle du staff, ce qu'ils m'ont dit, le club a refusé de le libérer. Tout comme Lassine Sinayogo, tout comme El Bilal Touré, tout comme Nene Dorjeles, tout comme Daouda Guindo, tout comme Amadi Camara, Kamouri Doumbia. Le club a refusé. Dernièrement, c'est Gaucher qui était là, Mamadou Sangaré qui était là. Il avait même commencé les préparations. Il a fait 2 jours. Le troisième jour, Ibrahim, il est parti pour renouveler pour un autre contrat où il a signé 3 ans avec le Rapide de Vienne. La question a été posée. Il a signé un contrat, mais pourquoi il ne retourne pas? Ibrahim, j'ai parlé directement, ça je l'affirme, j'ai parlé directement avec le joueur. Quand il n'était même pas encore arrivé en Autriche, il était en Turquie. Je l'ai eu au téléphone. Il dit, mais Gaucher, tu pars pour signer un contrat. Mais après ce contrat-là, normalement, après la signature, normalement, tu peux retourner pour qu'on puisse aller au JO ensemble. Il dit oui, Soule, normalement, c'était ça. Mais le coach m'a dit, sincèrement, il compte sur moi. On a 3 matchs à jouer pour rentrer dans la phase de poule, dans la phase de l'Europa League. Donc, il dit qu'il compte sur moi, donc il ne peut pas me lâcher. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me retourner. Sinon, j'ai demandé à ce que, après la signature, que je retourne avec la sélection nationale. Donc, voilà un peu les informations. Mais dire que les joueurs ont refusé, je pense que c'est un peu ternir à leur image. C'est pas bon, Ibrahim. Moi, ces jeunes-là, ils vont pas refuser cette équipe nationale. Ils se sont battus pour tout. 20 ans, ils ne s'est pas qualifié. Ils ont cette qualification et c'est pas la phase finale qu'ils vont refuser. Donc, j'aimerais que les gens puissent comprendre un peu cela, quoi. Maintenant, ils ont demandé à ce que la liste aussi. Aujourd'hui, la liste a été envoyée. Des 22 joueurs ont été envoyés au niveau de la France pour les Jeux Olympiques. Maintenant, le dernier délai, c'était le 3 de ce mois. La publication, le coach, il a dit normalement, l'État doit les remettre le drapeau le 8 de ce mois. Mais le drapeau, on ne sait pas, la remise, ça sera le matin ou le soir. Si c'est le matin, il fera une conférence de presse le soir pour annoncer la liste. Si c'est le soir, donc le matin, donc il fera une conférence pour annoncer aussi la liste. Voilà un peu ce que moi, je peux dire, les informations qui sont là autour même de cette équipe U23. S'il y a d'autres questions, je pourrais répondre à ça. Merci, Soulé. Soulé, globalement, comment est le groupe? Moi, j'aimerais savoir, hein, parce qu'il y avait eu quelques bobos, on avait dit qu'il y avait quelques blessures. Il y a quelques jours, là, Ondrissa nous avait dit ça. Comment ils sont en jeu? Oui, c'était le jour du match contre les U20. Oui, il y avait beaucoup de bobos, hein, parce que Ali Rango, il boitait le gardien de but. Chekina Doumbia de Shabab, lui aussi boitait, Cissé aussi boitait, Wilson Samake, lui il avait un peu mal au ventre à cause de la digestion, lui aussi il n'était pas sur le match. Il y avait l'autre aussi qui était à côté, Ahmed Djomandé qui était à côté, Moussa Diakité le latéral, il était à côté. Hier j'ai eu des informations, ça commence à s'améliorer. Parmi tous ceux qui étaient touchés, ça commence à aller petit à petit. Peut-être que d'autres qu'on n'a pas vu lors du premier match
qu'on pourra voir lors de ce second match-là. C'est ça. En tout cas, comme on l'a dit au début de l'émission, hein, on a suivi le match hein, France contre le Paraguay. Victoire de l'équipe de France, hein, je pense que c'était 4-1 en tout cas quand, en fin de match. Mais ce Paraguay-là, ils sont solides. Hein, c'est une équipe qui est solide physiquement. Hein. Comme le football sud-américain, là, ils sont agressifs. Hein, ça ne va pas être un match facile pour le Mali. En tout cas, on est de cœur avec les jeux dans les terres qui seront plus loin que les anciens. Maintenant, comment est le moral du staff? Comment est-ce qu'ils préparent cette compétition en soulevé? Oui, bref, moi, je parle de ce qu'ils ont dit dans les interviews, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées par rapport au regroupement. Voilà, je pense que Mohamed Larabi Cissé, lui-même, il était étonné de voir les conditions dont vraiment, lui, il a dit qu'il n'imaginait pas avoir Kabbala au Mali ici, sincèrement. Voilà, il dit qu'il était très content, ça va, il mange bien, il dort bien, tout va bien là-bas. Après, sauf Sissoko aussi qu'on a eu en interview, lui aussi, il a dit pareil. Fadi Sidiki aussi l'a dit pareil. Donc, moi, si on se réfère à ce jugement, on peut dire qu'il y a une bonne préparation qui se passe là-bas. Comme je l'ai dit la dernière fois, le moral au bout du c'est Ibrahim. Ça rit de partout, ça rigole de partout, ça joue ensemble. C'est des jeunes qui se connaissent. Ce n'est pas aujourd'hui, hein, depuis la catégorie minime. Hein, ils ont fait ensemble, cadet junior, U23 aujourd'hui. C'est vrai, il y a d'autres qui sont rentrés dans le groupe, mais la majorité, à 95%, se connaissaient déjà depuis fort longtemps. Donc, ils savent comment se préparer, comment se parler entre eux là-bas. Voilà. C'est ça. En tout cas, on espère que les choses iront bien pour cette sélection des U23 et qui feront honneur au drapeau. Hein, et vraiment, on espère une médaille olympique. Ousmane, une médaille olympique, qu'est-ce que ça pourrait apporter au football malien qui est en crise aujourd'hui, il faut dire la vérité. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Ça pourrait apporter clairement, c'est vrai, ben une visibilité en plus pour nos jeunes. Après, on a l'habitude en général de voir nos jeunes créer des exploits, mais des exploits dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, je veux bien entendre moi que les jeunes ils sont heureux, mais de toutes les façons, je pense qu'avec la crise qu'il y a aujourd'hui, ils auront certainement pas un autre truc à dire. Que ça se passe bien ou pas à Kabbala, ils diront pas que ça se passe mal. Donc pour moi, voilà, aujourd'hui, on a fait pour moi une erreur avec le management des trois joueurs, et j'espère que ça ne coûtera pas ça, parce qu'aujourd'hui, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, c'est vrai que quand je voyais l'équipe du Mali, je vois qu'elle a un potentiel, je me dis elle peut rapporter des choses, mais plus les listes y sortent, et plus je me dis ça va être compliqué. Quand tu vois qu'en Argentine, dans leurs deux ou trois joueurs qui ont plus de 23 ans, ils ont pris Julian Alvarez de Manchester City. Ils ont pris Otamendi. Franchement, je sais même pas quoi dire. Est-ce qu'il faut qu'on fasse tout? Elle est forte, hein, l'équipe de France. Mais la Cazette, ils ont pris la Cazette. Ils ont. Ouais. Qu'est-ce que? Après, c'est vrai que je donnerais l'impression d'être toujours un peu le rabat-joie, mais c'est la vérité. C'est toujours pareil avec nous. Il y a toujours une forme de frustration à la fin. Comment on n'a pas pu avoir un ou deux joueurs? D'accord, peut-être les jeunes, les clubs, ils comptent sur eux parce que voilà, c'est des joueurs d'espoir qui vont arriver. Mais il y a deux, trois joueurs confirmés qu'on aurait dû essayer. Je sais même pas si on a essayé. C'est ça, moi, qui me gêne un peu. Parce que quand je vois le casting des joueurs qu'on a pris, j'ai pas l'impression qu'on a essayé. Parce qu'on aurait vu d'autres profils de joueurs un peu plus capés. Et on se serait dit, bon, ils ont pas pu avoir ça, mais ils ont le standing juste en dessous. Mais quand on voit le choix des joueurs qui ont été pris, voilà, je veux pas être le truc, mais si en tout cas on arrive à gagner une médaille, ça serait un miracle. Ça serait un miracle. Et j'espère que les jeunes ne se taisent pas par rapport à la situation et qu'ils sont dans des meilleures conditions que les grands et qu'ils sont pas arrivés dans leur, qu'ils sont pas arrivés à Kabbala et qu'il y avait du sable sur le lit. Voilà. C'est vrai. Mais bon, en général aussi, dans le football malien, l'historique du football malien, c'est quand on n'est pas attendu. Cette CAN U23, par exemple, les précédentes, on avait eu beaucoup de joueurs hein, confirmés, hein, qui pensait justement qu'on était même un des favoris, mais on n'a pas gagné un match. Avant cette génération, le Mali n'avait jamais gagné un match en CAN U23 en venant avec... 3-3 de fait, la dernière en date. Mais cette année, on s'est qualifié, on a même été... Ah, mais la CAN, c'est pas les JO. Non, pour dire que, historiquement, au Mali aussi... C'est souvent quand on va avec beaucoup d'humilité, hein, parce que souvent on manque d'humilité. Mais quand on va avec beaucoup d'humilité parce qu'on n'attend rien,
qu'on surprend. Parce que moi, aujourd'hui, ces jeunes-là, s'ils ne vont pas loin, on ne peut pas leur dire grand-chose. Hein. Moi, je pense qu'on peut sortir des poules. On a des adversaires solides, hein, le Paraguay, Israël, je pense qu'ils ont quand même fait un bon parcours à l'Euro, ils ont des bons joueurs. Le Japon aussi, c'est pas mal. Je pense qu'on peut quand même être dans les deux premiers. Après, ça va être compliqué, hein, parce que très franchement, si on tombe sur un de ces gros-là, je ne sais pas si on peut faire face à l'Argentine ou à la France. Hein. En toute honnêteté, il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Hein. Avec l'effectif voilà, qu'on a, ça va être très compliqué voilà, d'aller jouer cette équipe de France. Hein. Je la connais voilà, sur le bout des doigts. Ça va être très compliqué. Hein. Donc, si on fait un exploit en quart, pour se trouver en demi, c'est bien. Mais maintenant, est-ce que la demi, on peut accrocher une médaille? Je ne sais pas. Donc, mais le Mali surprend. Hein, le Mali surprend. C'est ça. Ouais, non. Sur ce point-là, moi, je vous rejoins. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de cadres qui manquent à cette équipe-là. Il faut le dire. Mais comme on le dit dans le football, nul est indispensable. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé de ces jeunes-là, que je le dis, je le répète à chaque fois, Ibrahim, ils savent jouer au football. Il y a ce atout-là. Mais ils jouent aussi avec le cœur. Donc ça aussi, c'est le plus important. Ça, c'est vrai. Mais dire qu'aujourd'hui, qu'on a tous les armes à main, Ibrahim, quand on les dit aujourd'hui, c'est pour se voiler la face. Regarde, je vous donne un exemple hein, palpable. Hein, où le jour où le Sénégal nous battait au Sénégal, 3 buts à 1, il fallait attendre le retour d'un certain Camori, d'un certain Nené Dorgelès, pour accompagner, pour appuyer cette équipe-là. Je ne dis pas, je n'enlève ni moins ni plus de la valeur de ceux qui étaient là. Mais ils ont apporté un plus, il faut le dire. J'ai fait les statistiques. Regarde les statistiques de Gaucher Mamadou Sangaré. Lui, à lui seul, déjà, Ibrahim, en 8 matchs joués avec ses U23, là, ses 4 buts marqués, 4 passes décisives. Donc, forcément, c'est un cadre de l'équipe. Voilà. Voilà. Oui. Donc, son absence va être constatée. Mais au côté de ça, on a eu d'autres aussi qui sont arrivés. Peut-être qu'ils ont besoin aussi de se montrer. Je pense que sur cette base-là aussi, on peut miser là-dessus, dire que vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, moi, je suis sur cette même longueur d'onde. On peut passer la phase de poule. Maintenant, Ibrahim, l'équipe nationale, toutes les équipes nationales du Mali, Ibrahim, c'est les détails qui nous manquent. À chaque fois, c'est les détails. Hein. Okay. Il faut qu'on se dise. Si on arrive à corriger les détails. Par exemple, aujourd'hui, cette équipe, notre défaut, le premier défaut de cette équipe, Ibrahim, tu sais, c'est quoi? On encaisse pratiquement dans tous les matchs. Ça, il faut le corriger. Et tout. Pratiquement. Et tôt aussi. Tôt, voilà. Et très tôt aussi. Donc, ça, il faut le corriger très rapidement. Ça veut dire qu'au niveau de la défense, il y a un problème. Mais au niveau de l'attaque, à chaque fois qu'on a encaissé, il y a eu des réactions aussi positives au niveau de l'attaque où on a su marquer, égaliser, ou bien aller tenir cette même équipe-là et aller jouer les progressions, voir les séances de tir au but. Mais avec certaines équipes, Ibrahim, est-ce qu'on aura cette chance-là? Quand on encaisse, tu encaisses face à une équipe de l'Argentine ou à une équipe de l'Angleterre, Ibrahim, en héros. Est-ce que tu auras le temps de revenir, aller et égaliser le but, chercher encore à avoir la victoire? Ça sera un peu compliqué. Et les gars, ce qu'ils ont donné contre le Maroc en demi-finale, Ibrahim, tout le monde a vu. Ça, c'est vraiment, c'était une déboîte d'énergie pas possible. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont même cette force-là? Est-ce qu'ils ont cette même mentalité aujourd'hui-là? Est-ce qu'ils ont la même morale aujourd'hui d'aller vaincre les JO? Moi, je dirais que oui, à 50%. Je le dirais à 50%. C'est mes jeunes, je les connais, je sais de quoi ils sont capables, mais il faut régler tous ces détails-là. Encore d'autres détails à gérer, Ibrahim, sur le terrain encore, ça aussi c'est le coup de pied arrêté, qui sont très importants. Que ce soit pour le Mali, que ce soit contre le Mali, Ibrahim, il faut bien les négocier, il faut bien les préparer aussi. C'est le moment, hein. C'est vrai qu'on va jouer des matchs amicaux au niveau de la France, ça sera bon aussi de tester tout ça, de revoir tout ça, et avant de partir pour la phase finale. Merci. En tout cas, du message. On espère voir des enfants faire un bon parcours. Hein. C'est jamais simple, mais bon, voilà, hein, à cœur vaillant, rien n'est nul n'est impossible. Hein, voilà. Donc, on va espérer qu'il y ait un bon parcours. Voilà, hein, je pense qu'on a fait un peu le tour des choses. Hein. Soulé, est-ce que tu as quelques informations par rapport à. On a vu en début d'émission le tirage au sort. Hein. Maintenant, c'est le programme des matchs s'est confirmé ou qu'est-ce qu'il y a? Parce que à l'origine, c'est en septembre, la première. Matchs, octobre et novembre, c'est ça, non? Ouais, en septembre, donc on a deux matchs. Ça, c'est le programme que j'ai pour le moment. On a deux matchs.
Voilà, la première et la deuxième journée, ça va se jouer en septembre. Maintenant, pour octobre, sincèrement, je n'ai pas vu ce programme-là. Donc voilà, pour le moment, ce qui est là. Donc, c'est Bon, ce il y a, bloc qui est repoussé. on parle Parce aussi que dans la les CAN a pays. été repoussée aussi, il faut reconnaître que Oui, la CAN a la été CAN, repoussée c'est d'une année. Hein. décembre 2025, janvier D'accord. 2026. Voilà, ça va se jouer au niveau du Du Maroc. Maroc. Maintenant, dans les coulisses aussi, ça parlait de faire une ouverture pour la candidature au poste de sélectionneur national. Mais dans les coulisses, j'entends aussi qu'ils sont en train d'approcher certains entraîneurs aussi, voir si on peut prendre déjà tomber d'accord avec un sélectionneur, le prendre directement, l'amener au lieu de faire une ouverture de campagne. Mais en tout cas, peut-être que dans la semaine qui va suivre, on aura beaucoup de cours. Mais sinon, pour le moment, je pense que la base maintenant, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, tout le monde est focus sur ça. Pourtant, les dates se rapprochent. On est en juillet. Hein, si on va prendre un entraîneur, il faut lui laisser le temps de travailler et de prendre contact avec son groupe. Moi, je pense que ce n'est pas trop tôt hein, pour prendre quelqu'un. Ce n'est pas Ouais, trop tôt. c'est pas parce qu'on a les Jeux Olympiques qu'il faut qu'on soit trop concentré dessus et qu'on oublie qu'on a des éliminatoires de Coupe d'Afrique, parce que sinon, on risque même peut-être est-ce on n'est pas à l'abri d'un forfait du Mali aujourd'hui? Non, parce que moi, je pense que. Est-ce que vous pensez que ça peut pas être quelque chose qui tourne autour de nos têtes? Moi, je pense que qu'ils règlent leurs problèmes qu'ils ont aujourd'hui avant d'avoir une très, 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 très mauvaise surprise et qu'on paye tous les pots cassés de ça. Je pense qu'il y a des choses à prendre, à ne pas prendre à la légère. Et comme au Mali, on aime bien prendre les choses à la légère et en pensant que rien ne va aboutir, ce n'est pas des menaces, mais c'est tout ce que je peux dire. Que le Mali se concentre sur les choses les plus importantes. Sinon, on risque d'avoir une très grande déconvenue qu'on n'imaginait même pas en septembre. En tout cas, moi, Ibrahim, j'espère que ce il y n'est a pas le cas. John qui a posé une question par rapport aux trois qui sont les plus âgés. Il demande leur nom. Il y a Demba Diallo de Maniska, en deuxième division en Turquie. Il y a Abdul Salam Djidou et Ali Irango. Donc, c'est les trois qui ont plus de 23 ans. Donc, c'est les trois qui sont avec la Et une sélection. question, il joue Ali Irango en club? Non, en France. Je Je pense qu'il pense est qu'il est en national France. là-bas. Hein. Voilà, il Mais joue en vous savez national en pas où? France. Vous savez pas où? Je ne me souviens plus. Il jouait à Versailles à un Ah, moment donné, là, mais il a changé de voilà. club cette année-là. Mais moi, j'ai une question à soulever pour toi. Hein. Toi qui as été aux entraînements, comment est Salam maintenant? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Salam jouer. Il brille, il est présent dans Bon, l'équipe. Comment c'est son rôle? Ibrahim, bon, les années passent. Ce n'est pas, je pourrais pas le juger, dire que c'est le même Salam qu'on a connu il y a à peu près 5 ou 6 ans. Il a eu une seule mi-temps. Voilà, il a montré de belles choses. Comme on le connaît, en dehors des 18 mètres, ses frappes et autres, il a tenté. Donc, ça veut dire que déjà, il a quelque chose dans les jambes, il veut montrer quelque chose. Parce que Salam, aujourd'hui, c'est un challenge pour lui hein, de venir aujourd'hui avec les U23. Donc, lui, il doit tout prouver encore pour qu'on sache que vraiment, c'est le même Salam. Mais 45 minutes, Ibrahim, il y a eu des bonnes choses comme il y a eu des mauvaises choses. Il n'a joué que 45 minutes parce que c'est deux équipes qui ont joué. Il a fait jouer une mi-temps, 11. Après, il a changé, même s'il a changé 7 ou 8 joueurs encore, et d'autres sont rentrés. En tout cas, on va voir ce que ça va donner parce que, comme Ousmane a dit, nous, nos cadres, en fait, c'est des joueurs qu'on a pris aussi pour faire des paris hein, qui sont à la relance, hein, plus ou moins. Donc, ce n'est pas forcément des joueurs sur qui on peut s'appuyer à 100%. Hein. Donc, c'est particulier. Mais bon, au Mali, souvent, c'est ça qui marche pour nous aussi. Hein. Donc, on espère que cette fois encore, ça va marcher. Hein. Donc, Inch'Allah. voilà, on a fait le tour de la situation. Hein. On va rendre l'antenne. Hein. Donc, Ousmane Essoulé, merci d'être venu une nouvelle fois. Merci au public d'être venu. Merci à toi, Donc, Ibrahim. Merci, Ousmane. Et merci à tous merci les à affiliés tous. d'Afrique. Voilà, on va se tenir informés. Et s'il y a du nouveau, Inch'Allah. on aura de toute façon un plateau ce dimanche. On reviendra sur ça. Donc, bonne soirée à tous et bon week-end hein, pour demain. Voilà. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Soule Koulibaly et Ibrahima Toungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.